Les clientes me demandent parfois pourquoi vous ne faites pas un gel bicolore tout en un, donc une couleur, qui est aussi une base et un gel de construction. Tout d'abord, rappelez-vous que les gels bicolore sont extrêmement pigmentés et qu'il ne faut jamais appliquer de pigment directement sur la plaque de l'ongle. Comme vous le savez, la plaque de l'ongle est poreuse et ces pigments peuvent pénétrer dans ses pores et tacher la plaque de l'ongle, et ce sera très difficile à enlever. D'autre part, s'il existait un gel de couleur qui permet de gagner du temps et qui est à la fois une base et un gel de construction, vous gagneriez certes beaucoup de temps à l'application. Mais quand votre cliente revient un mois plus tard et choisit une autre couleur, que se passe-t-il? Eh bien, vous passez beaucoup de temps à enlever toute la couleur et ce n'est pas bon pour les ongles de votre cliente. C'est pourquoi il faut toujours appliquer une base et un gel constructeur sous une couleur.